Mesdames, Messieurs, nous avons le plaisir de vous retrouver scotché devant vos postes téléviseurs. Vous suivez l'RTGT, votre chaîne de proximité. Bon début de la semaine à tous et à toutes. Bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal à la une de l'actualité. Ouverture officielle de la session ordinaire de mars. La toute première de cette législature a eu lieu le samedi 30 mars dernier. Dans son allocution, le président de l'Assemblée provinciale, Cyril Kimpouawel, a peint la situation sociale de la province tout en interpellant l'exécutif à pallier aux maux qui rongent la société. Samuel Mwamba Ronstan pour les détails. C'est dans la soirée de ce samedi 30 mars 2024 que la plénière d'ouverture de la session ordinaire de mars pour l'année 2024 a eu lieu à l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Ayant présidé la dite plénière, l'honorable député Cyril Kimpouawel Mukalayi, récemment élu président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, a profité de cette occasion pour louer les efforts du gouvernement provincial dans la lutte contre l'insécurité en province, tout en appelant ces derniers à doubler les efforts pour mettre fin à la recrudescence de l'insécurité sur certains axes routiers. Depuis un certain temps, la situation sécuritaire de notre province a été maîtrisée en grande partie par les différents services de sécurité dont nous saluons la parole. Néanmoins, la population signale la résurgence de l'insécurité dans le territoire des Moura, où quatre personnes ont été tuées par des personnes non nettement identifiées. À cet effet, j'exhorte le gouvernement provincial de redoubler d'efforts pour établir la paix sur toute l'étendue de la province. Pour ce qui cadre avec l'environnement dans la ville de Kalemi, le président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika, Cyril Kimpouawel Mukalayi, a exhorté l'exécutif provincial à trouver des solutions rapides pour ce qui concerne l'inondation du boulevard Lumumba par les eaux du lac Tanganyika, une situation qui perturbe la circulation routière à Kalemi. Parlant de l'économie, l'honorable Cyril Kimpouawel Mukalayi a déploré la multiplicité des taxes imposées par les gouvernements provinciaux, facteurs occasionnant la hausse de prix des denrées alimentaires dans les différents marchés publics des Kalemi. Honorables députés, chers collègues, mesdames et messieurs, distingués invités, sur le plan économique, nous signalons la hausse de prix des produits de première nécessité. Cela est dû à la détérioration du climat des affaires, à la tracasserie, à la multiplicité des taxes provinciales, à la détérioration des routes et des services agricoles d'une part, et à la diminution des produits publiés d'autre part. C'est pourquoi nous exhortons les gouvernements provinciaux à assainir le climat des affaires en respectant l'ordre opérationnel au niveau des frontières, notamment au niveau du port de Kalemi, en s'activant dans la réhabilitation des routes prioritaires pour permettre l'approvisionnement en produits de première nécessité dans les grands centres de consommation. Pour rappel, ceci est une première plénière organisée juste après l'installation officielle du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Mesdames, Messieurs, après sa réélection au poste de député provincial, Alvar Lubuli Kaluta a rencontré les représentants de la communauté Bakalanga pour leur remercier de tout soutien lors de la campagne électorale. Témoin de l'événement, Samuel Mwamba, une fois de plus. Après sa réélection à la députation provinciale, l'honorable député Alvar Lubuli Kaluta a présidé une assemblée générale des communautés de Bakalanga dans la soirée de ce samedi 30 mars 2024. Cette cérémonie, qui avait pour objectif de communier avec la base politique, a été organisée par l'honorable Alvar Lubuli Kaluta après sa victoire au poste du vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. S'adressant à la presse, l'honorable Alvar Lubuli Kaluta, l'élu de Nyunzu, a remercié vivement la population de la province du Tanganyika et particulièrement la communauté des Bakalanga pour sa réélection à la députation provinciale. Tout à fait, ça c'est la joie. J'ai invité mes frères. Depuis que je suis élu, je n'étais pas en contact avec ma famille. Quand vous avez vu les gens parler en langue Kalanga, danser, tous ce sont mes frères qui m'ont accompagné.
il fallait échanger avec la famille. C'est pourquoi vous les voyez là. Le message, c'est la joie, c'est-à-dire on est content, il fallait qu'on se rencontre, il fallait qu'on danse, il fallait qu'on échange. C'est ça le grand message. Il n'y a pas autre message. Depuis que je suis élu, c'est pourquoi ils sont venus. Tout à fait, ça dépend. D'ailleurs, moi je suis élu, moi je suis président de cette communauté de Bakalanga. Alors j'ai l'obligation d'inviter mes frères, ceux qui m'ont élu de l'autre côté, suite à leur influence, votez pour notre président, votez pour ceci. C'est pourquoi, quand je suis ici, je me réunis avec la famille ici. Moi je me suis rencontré aujourd'hui avec la famille ou les membres de ma tribu, tout à fait. Les amis qui sont à nous, ceux que vous voyez derrière moi, ces amis qui sont ici, c'est une production de news. Au lieu d'aller organiser aujourd'hui, là, je n'aurai pas le temps d'y arriver à temps. Je m'organise avec ceux qui sont venus, ceux qui sont derrière moi. Et après, j'irai à nous organiser avec ceux que je vais rencontrer là-bas. Si je me trouve à Bukavu, il y a encore autre famille Bakalanga, je m'organise même à Lubumbashi partout. Mais maintenant, là, je m'organise d'abord avec ceux qui sont Tanganyika. Oui, je demande à tous les Bakalanga qui se trouvent dans le monde entier. Ils ne sont pas seulement au Tanganyika ou au Congo, ils sont partout là-bas. Ce n'est pas en Europe là qu'ils sont partis sous forme de diaspora, mais ceux qui sont en Afrique, nous sommes unis. C'est pourquoi vous voyez notre symbole est là. N'essaie de pas se faire, peut brûler avec ses feuilles, peut tomber avec ses feuilles. C'est ça notre signe de l'unité. Sont venus en masse me soutenir. Il y a l'unité. Si on cite ce terme, Tongolo, c'est fini. De leur côté, les collectifs de la communauté des Bakalanga se sont réjouis de la victoire de l'honorable Alouvar Lubuli Kaluta en tant que vice-président de l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Kitu ya kwanza, honorable Alvar Lubuli Kaluta, alienda kwa territory ya Nyunzu, kwenda kugombea kama mbunge, na akapita kuwa mbunge. Hiyo ni ya kwanza. Na neno la pili natuleta hapa, ni kufatana bali mustaki, kwenye kuwa watu wasio wenyeji wa territory. Wakasema ya na waweba masauti. Tukafata senika kuya sama nono, haikuwa masauti. Masauti ya ye peke, ikapita na hile regrupa ya bali mustaki. Tukaona kwamba, anapata ushindi. Na ya tatu yenye tuli tunaleta furaha hapa ni kwa sababu kulikuwa uchaguzi juzi wa bureau definitif ya Assemblée provinciale de Tanganyika. Yeye alichaguliwa kama vile vice president wa ile kamati. Ndio tukaona kwamba tukutane hapa tusherekee hiyo vitu vitatu. Peu après, les membres de la communauté des Bakalanga ont fait une brillante prière pour l'élévation prochaine d'Alvar Lubuli Kaluta. Les membres de la communauté des Bakalanga ont exhibé quelques pas de danse à l'honneur de la victoire de l'honorable député Alouvar Lubuli Kaluta, le lieu de Nyunzu. De nombreuses plaintes des parents en ce qui concerne le frais des bulletins que différents établissements scolaires demandent alors que leurs enfants sont proclamés sans obtenir les bulletins à chaque proclamation, selon Bailaï Nicolas Prince, directeur provincial de l'enseignement primaire, secondaire et technique, certains chefs d'établissement chercheraient à tirer la province éducationnelle Tanganyika 1 vers le bas. Dire qu'il y a de cela 3-4 ans, c'est quand même exagéré. Hein? Moi, je sais que l'année passée, on a remis les bulletins, même les bulletins des classes de primaire. Ça, je le sais, j'en ai la confirmation. Le problème que j'ai trouvé en arrivant, c'est qu'il y a eu un lot important de bulletins qui traînait auprès du transporteur parce qu'on n'avait pas encore liquidé la facture des transports. Ça, c'est vrai. Et aussitôt que j'ai été au courant de la chose, j'ai réuni les comités provinciaux de l'EPST, parce que c'est là-bas que nous discutons des grands problèmes de la province éducationnelle. Et ensemble, on s'est mis d'accord pour qu'on commence à remonter cet argent au niveau de la direction provinciale pour permettre à M. le directeur d'apurer la facture et de récupérer cela important des bulletins. Rien que 3 semaines après mon arrivée ici, nous avons réuni l'argent nécessaire grâce à l'implication de tous les gestionnaires, pour la plupart, et nous avons payé la facture auprès des transporteurs. Nous avons les bulletins ici, plus de 75 000 bulletins qui sont ici. Et le mouvement a continué. Il y a des régimes de gestion qui
ils se sont distingués positivement, notamment la coordination des écoles conventionnées catholiques, notamment l'association des écoles privées à son EPA, privées agréées, qui se sont distingués, je dis bien, positivement. Et c'est avec cet argent que nous continuons à remonter à Kinshasa pour finir la dette de l'imprimeur. Parce que les bulletins ne sont pas imprimés en province. Les bulletins pour toute la République sont imprimés à Kinshasa et c'est une grande réforme, l'uniformisation de bulletins. Et puisque c'est notre gouvernement qui a décidé l'uniformisation des bulletins, ce n'est pas à nous ici, dans la province du Tanganyika, de faire le contraire. Donc s'il y a des gens qui le font, il est grand temps qu'ils puissent laisser ça. Parce que ce serait même une infraction. Et quand on commet une infraction, les instances judiciaires sont là pour faire leur travail. En rapport avec les plaintes émanant des habitants de Miketo au sujet de l'excès de taxes demandées par le chef du village, la rédaction de votre chaîne a contacté André Matala, chef du bureau en charge de la gestion forestière, coordination provinciale de l'environnement, qui s'est déclaré ne pas être saisi de cette situation. Mais alors que pour lui, c'est normal pour un chef de taxer car c'est un droit coutumier. On ne sait pas encore bien vérifier l'information si elle est vraie ou elle est fausse. Mais ce que je sache, c'est que avant d'exploiter la forêt, il y a toujours eu un accord signé avec la communauté locale. Ou soit s'il y a des grandes concessions, on appelle ça cahier des charges. Donc vous devez vous mettre d'accord avec la communauté locale de ces villages, les modalités qui vous permettront d'entrer et exploiter leur foi. Néanmoins, les droits coutumiers existent quand même. Il faut bien vérifier les formations. Si et seulement si le chef coutumier demandait ses droits coutumiers dont ils se sont convenus dans les cahiers des charges, donc ils seront obligés de payer. Mais en effet, si je ne pense pas quand même que le chef coutumier ait demandé des taxes, parce que les taxes sont perçues à notre niveau. Au niveau des villages, là, ce sont les droits coutumiers. Ici, nous sommes en train de taxer les gens à payer par rapport à une exploitation quelconque de la forêt. Et la personne est libre d'aller payer à la banque et de nous amener des preuves de paiement. Donc, au niveau des villages, là, ce ne sont pas des taxes. Peut-être que c'est une mauvaise interprétation. Ce ne sont pas des taxes, ce sont des droits coutumiers. Bon, ces droits coutumiers-là ne sont pas fixés dans un arrêté. Vous comprenez ? Il n'y a pas un arrêté qui fixe les droits coutumiers, sauf que c'est un entendement, c'est un accord. C'est pourquoi sur les documents, c'est bien mentionné accord. Ou soit un cahier des charges. Vous comprenez un peu là ? Si vous faites autant de mètres cubes d'exploitation dans un village, vous devez payer les 1/10 au chef coutumier pour les biens de la communauté tout entière. Donc, les villageois qui sont là doivent jouir du fait qu'il y a un exploitant qui est en train d'exploiter leur forêt. La rivière Kalemi a débordé de son lit et s'est créée à nouveau au passage dans la route qui mène vers le port public de Kalemi, barricadant ainsi la circulation de ce tronçon routier. Les habitants ont du mal à effectuer leurs activités. Georges Dupont, dégustinaire, pour le détail. Les dégâts sont énormes. Les fortes pressions atmosphériques, un phénomène naturel constaté par des pluies intenses, des vents violents et une montée considérable des eaux du lac Tanganyika ont complètement ruiné les infrastructures routières. Les maisons d'habitation et certains bureaux de services publics de l'État, cadre de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC, qui a vu ses installations être envahies par les eaux du lac Tanganyika en Varap et les eaux de la rivière Kalemi, qui a débordé son lit en s'effrayant un nouveau passage. La route qui mène vers le port de Kalemi, barricadée
bloquée par ses eaux, la circulation devient pénible et les usagers souffrent car ils sont obligés d'enlever les chaussures pour la traverser. Les usagers qui sont dépassés par ces catastrophes naturelles, cas de Frank Ngoyi qui a demandé au gouvernement provincial d'écurer la rivière Kalemi comme faisant partie des solutions palliatives. Abandonné à leur triste sort, les habitants, comme ceux du quartier Kamkolobondo, passent la nuit à la belle étoile. Car dépourvus des maisons, les eaux de la rivière Kalemi et celles du lac Tanganyika les ont emportés. Aucune intervention n'a été jusque-là déployée par le gouvernement provincial. Kabila dans les viseurs du régime Tshisekedi, ce titre du journal Congo Nouveau qui domine la manchette de plusieurs médias et journaux en ligne paru le matin de ce lundi dans la ville capitale Kinshasa. Katontolo Nkolo Melchior pour la lecture du journal des journaux. Le parti présidentiel accuse l'ex-président Joseph Kabila d'être derrière la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Le camp Kabila proteste contre des propos qui frisent la folie. Cette escalade est largement commentée par les journaux parus ce lundi 1er avril dans la ville capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'écoute de la revue de Prince. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, il était sans sigle, ami du fait lors d'une matinée politique animée devant le siège de son parti sur la 10e rue Limité, samedi 30 mars. L'ancien président de la République a fui le pays car c'est lui qui est derrière la guerre qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo, a déclaré Augustin Kabouya, cité par Congo Nouveau. À cette occasion, poursuit le journal, il a fait allusion aux jeunes du parti de Joseph Kabila, le parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, qui ont rejoint la rébellion de Corneille Nanga. La réaction du camp Kabila ne s'est pas fait attendre. Les Congolais ont compris les modes opératoires de l'UDPS. Se plaindre et accuser faussement les autres, rétorque la conseillère en communication de Joseph Kabila, Barbara Nzimbi, cité par Forum des As. Les propos irresponsables de M. Kabouya de l'UDPS frisent la folie. Le seul chef d'État de toute l'histoire de la RDC a organisé des élections démocratiques, ensuite une alternance pacifique qui a eu pour premier bénéficiaire ce même parti, peut fuir, mieux abandonner, c'est pourquoi il s'est investi toute sa vie, ou encore être à la base d'une quelconque déstabilisation de cette même nation. C'est incohérent de réfléchir dans ce sens, a fait savoir Barbara Nzimbi. Dans ces conditions, Africa News constate que ça tire de partout. Tshisekedi s'en prend à la communauté internationale. Le cardinal Ambongo critique violemment le pouvoir. Kabouya charge Kabila. Deo Kasongo fusille la CENI. Interpellant les autorités, renchérit la tempête des tropiques. Le cardinal leur a demandé de cesser des actes susceptibles de pousser à la rébellion, faisant allusion au ralliement de certains cadres de l'ex-parti présidentiel OM23. Nous pouvons les traiter de traîtres, ils ont pris la cause de l'ennemi, mais la question des fonds, c'est pourquoi ces gens ont-ils agi de cette manière-là? C'est parce qu'au niveau d'ici, nous continuons à poser des gestes qui blessent les autres, qui fragilise la communion nationale, qui exclut les autres. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin le journal des journaux. Merci de nous avoir suivis. Quoi que vous fassiez, les mauvaises personnes auront toujours quelque chose de négatif à dire sur vous. C'est ça la vie. Restez positif, prenez soin de vous.
Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.